Le rythme de la croûte du nom Sangba. Blacro Dunu, Lodunumba. Blacro Dunu, le Kenseleni. Ça veut dire on a deux djembés d'accompagnement, djembé base, on a le kenseleni, on a le sangba et on a le dunumba. Et après, moi, je vais vous jouer les phrases traditionnelles. Ok, on attaque. Bilakoro dunu. C'est un rythme des générations à partir de 7 ans, ça veut dire les non-circoncis. Les non-circoncis, donc ceux qui ne sont pas encore. Voilà. Donc, merci. Nous allons vous jouer un rythme qu'on appelle solo. Et souvent, on appelle Kassa. Il y a souvent les gens qui disent Kassa Solo. C'est la même chose. Mais maintenant, là, nous, on va jouer le solo. Le solo, c'est jouer pendant qu'on travaille le chant. Ça veut dire le cultivateur. Et après, on va vous modifier, on va vous changer un rythme qu'on appelle Turaninko. Donc, on écoute. Iba kese ne geladi Turani ko 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 Turani Iya dosinina Turani ko 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 Turani
Turani, 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 jouer un rythme spécial, un rythme que j'adore beaucoup, un rythme que j'aime beaucoup, un rythme qui n'est pas facile. Souvent en Europe ou dans les États-Unis ou au Japon, on dit que c'est un rythme de 9 temps. 9 temps. Et bon, peut-être ça peut être, mais voilà. C'est un rythme qui est un peu compliqué, un peu difficile, même le blocage, c'est pas facile. Donc, le rythme, on appelle chez nous le konkoba, et souvent, on l'appelle tura, ça veut dire tura de nous. Et voilà. Donc, on va jouer le konkoba tura de nous. Seneke, nankane sinaketa. 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 Ayapo. Seneke.